Voler peut-être, non? Ah. Donc maintenant, je vais te dire que mon stream est aussi en anglais. Pom 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 pom. Allez, let's go. On est parti pour le streamage. On est parti pour le streamage. Tasty. Bah, j'espère bientôt, hein. J'espère bientôt. Des doigts, c'est quoi déjà?
Ok. Wait, wait, wait. J'invoque le maximum de monde. Ah oui, il y a des gens. Ok, go. Hey. Wow, 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 wow. On va passer sur les moments durs là. Attention. Attention, attention, messieurs, dames. Oh my god. I've given thee courtesy enough. Merde. Oh putain. Oh le charisme. Now I fight his horror loo. Warrior. Salut. C'est la fin, c'est la fin, on arrive à la fin de ce boss peut-être. Oh nique sa mère. Non, pas moi.
Oh putain, merde. On est à la fin. On est à la fin. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je pourrais avoir mon bouquin, s'il te plaît? Ça va, Tanéo? Depuis le temps. Désolé d'avoir pas donné trop de news en ce moment. Disons qu'on a eu des... On a été pris dans des... Pas des complications, mais des choses assez compliquées à faire. On a eu des entretiens, etc. récemment. Donc, voilà. Mais we are happy to be with the peace tonight. We going to maybe kill. I don't know his name. Et on va peut-être le tuer. Et du coup voilà. Cool. C'est pas Malenia. Je suis combien dans ce bouquin de ces morts? Je suis pas sûr que ce soit là. J'ai envie des quêtes, mais c'est pas là. Alors je sais pas ce qui est fort contre lui, je voudrais bien savoir un peu. Pas grand chose, t'avances tranquillement. Écoute, moi je me suis tapé des entretiens en anglais là cette semaine. Un entretien en anglais. Oh, c'était chiant. Après, il fallait le faire quoi. Ah, mais ils disent Morgoth, le roi réprouvé là. Que Morgoth le roi réprouvé, on l'a déjà fait, nous on affronte qui au passage, tiens. Merde, on affronte qui? Par contre, faut que je regarde vraiment mes cendres de guerre. Ouais, mais du coup, je suis d'accord que. Ah, c'est Godfrey. Ouais, Godfrey, ensuite, ouais. Ensuite, on revient à affronter Godfrey, mais cette fois-ci, Godfrey dans sa forme normale. Pas sa forme fantomatique. Bah écoute, normalement j'aurais dû stream hier, mais j'avoue hier j'étais claqué. C'était hier mon entretien, du coup j'ai décidé de pas stream hier. Par contre, nous streamons demain aussi encore. Donc demain il va y avoir un stream demain après-midi. Parce que demain soir j'ai des invités chez moi. Et du coup voilà, on va faire ça Maliquette, ouais, et après Maliquette. Ah, bingo. Trondelden, le 5. Godfrey, premier seigneur d'Elon, et Ara. Et Ara. Là, sur quoi on va être sur l'MC, je pense. Alors, est vulnérable à toute altération de. Bon, une phase de combat.
Ok, donc a priori ça serait... non, par une majeure, cendre, ça serait le poison qui serait fort contre lui. Donc voilà. Attendez, on va aller quelques instants de l'autre côté. J'ai pas été voir, tiens, dans les... Genre ici. Non, pas là, putain, c'était pas là que je voulais. Oh, Seigneur. Est-ce qu'ici, il y a toujours les gens, genre? Ah oui, ils sont encore là, regardez. Et si je reviens? Et s'ils reviennent aussi? Alors, c'est techniquement l'arbre d'Elden, si j'ai bien compris. Ah oui, ils reviennent encore. Bon, y'a pas d'inquiétude à avoir, ils sont toujours là, quoi. Toujours les bons poteaux. Oh, le fouet. Allez, par contre, les trucs de foie qu'il me faut. D'un coup, c'est pas des trucs à récupérer à droite à gauche. Hein. Et tout qui tombe en ruine. Ouais, j'avais dit live MC. Oui, c'est live MC qu'on fait. Voilà, vous saurez tout pour demain, c'est live MC. Donc voilà. Du coup, moi, ce qui me fait peur, c'est tout ça là, c'est le fait que j'en ai quasiment plus. On a failli réussir. Ah putain, y'a personne là. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est... dis-moi pas que c'est pas vrai. Aïe 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 aïe. Comment allons-nous faire? Oh fuck. Bon, on va devoir travailler sans personne. Bah, j'espère que vous êtes prêts.
Ah. Bon, on le met mid-life, hein, mais pas plus que mid-life a priori. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres boss qu'on peut faire en attendant un peu? Parce que I think it's gonna be a bit difficult for me. J'ai une mention. Ah, tout à l'heure on était 3 surtout. C'est plus simple de l'entamer à 3 que d'entamer tout seul. T'as fait! T'as fait ça! Yeah. T'as fait de pas être tout seul et c'est un fait d'être tout seul. Oh! Attendez, c'est qui? Ok. Je les ai pas eu encore. C'est-à-dire que je peux les. Allez, allez. Ok. Je les ai pas eu à deux. Du coup, je. C'est jouable. Oui, il y en a un. Oh, nice, nice. Oh, attendez. Mais cet homme est expérimenté. Je n'ai pas du tout les cas, les trucs, les compétences. Allez. On y va et on croise les doigts. Mon but c'est de pas crever. Comment ça il court? Mon ref? Non mais. Faut protéger le copain. Oh wow.
Mais là il fait que ça son... Oh putain, mais hey, là il nous a fait que des attaques comme ça hein. Il nous a fait que des attaques coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Ça fonctionne ce truc. Attendez. Non, ah non. Ah. Rigolo. Voilà, c'est juste ça que je voulais voir. Et bien sûr, on a ça. Yep, je sais, mais le souci c'est que là je ne sais pas comment du tout je peux faire pour
C'est quoi ce bordel? Ma grande question, c'est comment est-ce que je peux recraft des trucs de doigts là comme ça? Alors remettre de doigts crochus, comment je fais pour en obtenir? Alors. De doigts crochus. Désolé hein, si je me pose des questions bêtes. Ok, d'accord. J'ai trouvé un. D'accord, on en trouve en nécrolame, du coup c'est une bonne news. J'ai passé ces 7 derniers. Good news, j'ai trouvé. J'ai trouvé comment. Du coup, si on a la cour, on pourra en reprendre. Je pense qu'il y a moyen aussi qu'on fasse un tour dans toutes les caves du coin pour qu'on essaye de trouver de ce dont on a besoin pour. Il n'y a qu'un seul type. En vrai, j'ai envie de voir hein, si peut-être ça se trouve, c'est un gosse super fort. Hein. De toute façon, qu'est-ce que je crains? La difficulté est déjà très grande donc. Il est que niveau 80. Allez, ramène-toi. Quoi ce... Ah
Comment ça? Et ce mec est trop fort, attendez, mais... Eh, c'est quoi ce type? C'est quoi ce type, là? Oh merde, merde! Oh putain merde! Ah mais surtout qu'il perdait des PV, regardez ça, il en perdait max! Fuck off! Bah écoutez, on va aller en coup en nécrolame, on va aller farmer un peu les petites fleurs là. Comme... Oh fait chier quoi! Ouais, ouais, bah oui, bah après, on peut toujours avec des scies, hein. Ouais, hein. Non, oui, c'est dommage, après, faut pas avoir de regrets, hein. Non, c'est pas ça comme fleur. Non. Ah! Ah, c'est bon, une fleur Mundis. On en a une. Bah écoutez, on se file une quête, on s'en trouve une dizaine et après on y retourne. Hein. Vous en pensez quoi? Regardez, on a déjà une deuxième. Comme ça, avec une dizaine, on pourra dire qu'on en recraft déjà quelques-unes. En fait, j'ai pas l'impression que poison soit si utile que ça. Peut-être passer sur du saignement. Ça pourrait être peut-être une bonne option pour dire de... d'aider un maximum mes alliés, parce que j'ai l'impression d'être vraiment inutile dans cette histoire. Oh, ça m'amuse un peu. Ah, une fleur Mundis ici. Ah. J'ai laissé le taf à ma place. Hein.
Il taffe bien quand même mon soldat. Vous en pensez quoi? Petit gars. Ah. Il y a des moments sur la route on croise des gars qu'on veut pas trop croiser quoi. Ah il est bugué. Là. Voilà. Bon. Je crois que c'est tout après ça. Alors du coup les Flora Mundis. On peut déjà en craft, je pense. Possibilité de craft. Possibilité d'en craft 2. Allez, on se donne encore quelques-uns à trouver quand même. C'est comme ça qu'on pourra réussir. C'est en invoquant des alliés qu'on pourra réussir à le vaincre. De toute façon, je ne vois que cette solution-là. Pour l'instant, je. Moi, je trouve que je suis trop nul pour y arriver seul. Ok d'accord. Yes. Du coup. Où est-ce qu'on a des fleurs? Yes. Hello everybody, how are you today? Est-ce qu'il y a des fleurs ici? Quand tu veux. Des fleurs, des fleurs. À qui pensait que dans un jeu, on aurait, dans un jeu comme ça, on aurait fait une chasse à la fleur? Ah, pas moi, hein. Moi la paix. Voilà. Bon sinon à part ça, est-ce qu'on l'avait fait ou pas cette grotte là? Le combo noir, est-ce qu'on l'avait fait celle-ci? Très bien. Je vérifie en même temps s'il n'y a pas des grottes à faire à droite à gauche. Histoire de terminer un peu mieux, pas le jeu, mais d'avoir de pouvoir acquérir encore peut-être un peu d'expérience à droite à gauche, des choses comme ça. Par contre, cendre de guerre... C'est-à-dire que ça, attendez. D'accord. Ah oui, on l'avait faite. Je me souviens maintenant. Ok, on peut sortir d'ici. On va aller voir là-haut s'il n'y a pas des. S'il n'y en a pas. Hop là. Ah bah si, regardez, il y en a une ici juste au bord.
Il y en a une ici. Oh, il y en a beaucoup par ici. Deux là. Toi, tu dégages. Toi aussi. Je veux pas vous voir, vous. Non, vous non. Ok, ça m'en fait toujours deux de plus. Y'a... Attendez, mais y'a un truc ici, j'ai l'impression. Ok. Hop. Bon, en fait, et au fait, Taneo, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai abandonné à l'autre jeu. Hein. Le jeu chiant là, avec les trucs. En fait, si je faisais ça, je sentais que j'avais pété un plomb plus qu'autre chose. Et j'ai préféré arrêter. J'en ai trouvé sans doute un autre un petit peu plus agréable. Voilà. Ouais, j'ai fini sur Apex. Mais en vrai, Apex, on a fait de bonnes games. Hein. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai pas aimé le stream. Ce stream là, je le retiens pas. Parce que bah. Tout simplement, c'était mauvais comme stream. C'était un très très mauvais stream quand on y repense. Mais voilà. Ah, c'est ça. Cuisine de commande. Bah ouais, déjà le jeu. Bah non, le jeu en soi, il y a du. Ouais, non, le jeu m'allait pas. Je vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont trouver ça excellent. C'était juste que pour moi ce que j'aime bien faire, etc. C'est pas forcément ce que je kiffe le plus, ça c'est sûr. Et puis, je sentais que si je continue un peu trop... À un moment, le forcing se verrait. Et c'est pas le but non plus, tu vois. Pour vous, ouais, c'est drôle. Pour vous, c'est drôle, hein. Mais pour moi, c'est au bout d'un moment, tu comprends. Faut comprendre que c'est pas drôle non plus pour le streamer de galérer tout le temps. J'ai déjà un jeu où je galère, j'ai pas envie d'en avoir un deuxième, tu vois. Si je décide de faire un jeu le lundi, c'est pour me détendre, c'est pas pour... Ouais, déjà aussi. Déjà, t'as pas tort sur ce niveau-là. C'est bon, faut dire ce qui est. Hein. J'ai envie de me détendre. C'est bon, il y a Elden Ring pour souffrir. Voilà quoi. Je pense que c'est large. Elden Ring se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter un second jeu pour dire d'avoir plus mal. Enfin. C'est vrai. Ah, du muguet mortifié? C'est une région très venteuse, hein, ça fait penser un peu à la Bretagne. Jamais trop venu par ici, tiens, ça me fait penser. C'est pas un... Oh! Oh, ça j'avais jamais vu, attendez. Oh, bah, c'est quoi ça? Attendez. Catacombe funeste. Oh bah cool. Là, attendez. Par contre, j'ai changé ma rune majeure. Glace, ça faisait beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Ah!
J'aime pas les squelettes parce qu'à chaque fois les squelettes faut bien se placer quand on veut bien les tuer, on va dire. Bon après là c'est... Là y'a rien. Oh! Ok. Oh, c'est cool ça! Oh, un cadavre! Et tu te réanimes? Ah merde, c'est pas le bon. Ah, y'a la solution droit devant. Ah mais c'est cool de découvrir de nouvelles zones encore. Mais mon ref. Ok, c'est cool. Ok. Est-ce qu'on voit vraiment que les squelettes me font des dégâts? Non, je ne pense pas. Pour une fois, on peut dire que je suis un peu plus fort qu'eux quand même. Je vais encore utiliser une potion. Hein. Hello! Who are you? Ah, it's you, assassin des couteaux noirs. Ah, bah oui, c'est toi! Voilà! Ah! Voilà! On te trouve enfin, mon ami! Ok, cool! Oh, bah c'était bien! Oh, plutôt facile comme boss, hein. Voire même très facile. Hop là, bon alors. Je crois que c'est la première fois qu'on allait devant un boss si serein. Voilà. Ah. Voilà. Hello everybody. Bonjour monsieur dame. Ah bingo, il y a encore des fleurs ici.
McAloney. Hey, bonjour messieurs. Oh, cool chien. Les chiens, c'est trop chiant. C'est vraiment la seule bête qui peut vraiment te faire mal dans... Bah, il y en a plein d'autres, tu vois. C'est quoi ce bruit? Ah! D'accord. Une sorte de piège, quoi. Une sorte de piège pour prévenir les ennemis que j'arrive, quoi. Ok, cool, 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 j'ai rien contre ça. Hein. De toute façon, j'ai passé le cap. J'ai passé le cap du début de game, du coup, j'ai plus forcément très très peur. J'avoue, par contre, et ça, c'est un grand point qui a nettement amélioré depuis. Depuis mes débuts sur Elden Ring, c'est que j'ai... Oh, il y a des géants c'est que j'ai beaucoup moins peur sur le jeu que à mes tout débuts en mode... où j'étais vraiment en mode... Mais c'est la vallée des géants. Oh les dégâts. Quoi? Pareil, c'est une zone que j'ai pas trop faite. Hein. En vrai, j'aurais dû venir ici quand j'avais besoin de farm d'XP. Ça aurait été 30 fois plus intéressant pour moi. Je pense. Ouais, parce que je me souviens encore du stuff du début où on était avec juste une... On jouait double épée allez, à ce moment-là. Jouer double épée. Et Dieu me pardonne d'avoir joué double épée parce que c'est vraiment naze. En vrai, non, les épées que j'avais étaient vraiment naze. Après. Voilà. Ah oui, au début, on se disait que c'était trop fort. Hein. Je suis d'accord avec toi qu'on se disait que ça. Mais après coup, quand t'as découvert saignement plus épais, bon bah t'as vite compris que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Bon, on y retourne. Allez, on y retourne. Bon après on n'a pas encore fini le jeu totalement, hein. On n'a pas encore fini notre arc dessus, on a fini du moins, on aura fini l'histoire principale. Attendez.
Au. Voilà. Je vais éternuer aussi. Oh, ah mes côtes. Ah Dieu. Ah once again. The body. Il y avait un glitch à une époque qui te permettait de grimper le truc. Par contre, on n'a pas fait. Ici, il y a un gros boss dans ce château-là aussi. Bon, on le fera plus tard, hein, y a le time. Hein. Est-ce qu'on l'avait tué lui en bas là? C'est une question. Oh yes! On va attendre un peu que les gars reviennent pour essayer de le faire. A priori, je vais régler son compte. Ça fait chier, je règle le compte à beaucoup trop de monde là. On va tous régler leur compte ou quoi? Merci. C'est lui devant. Il est mort aussi? Ah non, lui pas mort. On peut y aller. Oh putain, damn, bro! What the hell? Non! Il est bon! Il est pas assez bon. Ah, il est pas mort. Nice. Yeah. Woohoo. Oh damn. Oh par contre le...
Ah oui. Ah, c'est un sacré bougre. Ah, c'est un bon bougre. Incroyable. Qu'est-ce que tu me veux, mon grand ? Putain ! On se casse. Tu veux savoir le meilleur dans tout ça? C'est que là, il prend des dégâts pour l'instant. Moi, j'ai mangé tranquillement. Et moi, j'ai grimé pas tranquille. Et lui, il va se prendre quoi? Des PV, des PV, des PV. Ah merde, il prend plus de dégâts. Ah, le bougre. Il me met des feintes maintenant.
allez, on va arrêter là. Ça sert à rien de le forcer, lui. On viendra le battre un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de grind d'abord. Et après, on joue, ok? Ah, vous savez que je mange du parmesan? Pas du pecorino? Vous savez ce que je faisais au lycée quand il y avait du pecorino? Oh, yes, une boule. Je mettais autant de parmesan que je pouvais à la cantine. Il y en avait. Et ça faisait du parmesan en pâte. Voilà, c'était mon anecdote de ce soir. Est-ce qu'il est toujours là ce dragon? Ah bah non, il est plus là, il est mort vu que sinon il apparaîtra encore là. Désolé hein. Vous comprenez bien que j'ai faim aussi. Non non. Ouais. Non désolé, je suis pas d'accord. Toi t'as goûté aux bonnes choses d'un bon parmesan. Je reviens jamais en arrière. Je l'ai fait lui. Ah. Ah coucou toi. Les missiles que ça tire quand même, c'est bazar.
Justement, le parmesan dans les pâtes, c'est... Il y a de meilleur. Après, les goûts et les couleurs, tu sais, on va pas revenir sur ça. Vaste sujet, vaste débat. Hein. Pour moi, le gruyère, ça fait un peu pour enfant. C'est pas un truc. Alors que là, le parmesan, lui, il est... Le cheddar plus de saveur. Moi, il semble que j'ai rien raté, hein. Bah j'ai raté des choses, mais moins fort que je le pensais. Bon. Back. Bonsoir Z-Wax, comment tu vas ce soir? Oh yes! Ça va très très bien, écoute, on est en train de s'attaquer à la fin d'Elden Ring, bah tout doucement mais sûrement je pense. Où là on souffre dans la joie et la bonne humeur. Et voilà. Merde, j'ai pas mis de... Mince. Ah mince, et en plus il arrive. Deux secondes. Hey. Ah super, j'ai pas mis de dégâts sur ma putain de merde, je vais être inutile encore. Il a quoi comme arme? Il a un arc? What the fuck? Non, te suicide pas mon coco. J'arrive. Nice, ils sont deux en plus. Et toi alors, t'en es où dans Elden Ring? T'arrives à jump? Fuck! C'est quoi ces dégâts? Nice, c'est bon. La moitié des boss majeurs. Bah attends, comment t'as fait pour aller si vite? On va le faire. Non! 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 Non!
Ah mais je sais pas, il y avait un mec, il avait un sort de régénération, c'est ça qui m'a sauvé à la fin. Oh mes HP ça joue au poil de cul. Hein. Là je vous jure que j'étais tout... j'étais pas bien. Quand j'ai vu mes HP, j'ai eu une petite goutte, hein. C'est bien la bière? Ah, je vous jure que j'étais pas super bien. Attendez, je fais un peu de place sur mon bureau. On va se prendre un vrai verre d'eau. Ça nous fera du bien. Après ça. Au passage, vous avez pas trop chaud dans vos régions en ce moment, les mecs? Pour ça, vous hydrater, hein, c'est important. Oh, tu peux ouvrir, ouais. Bon, la suite, elle est plutôt hardcore. La suite nous attend. Là, on est parti pour souffrir encore beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est pas un euphémisme, je pense. Donc là, du coup, on a fait quoi? Attendez, je regarde dans mon bouquin. Non, mais en tout cas. De la chance, nous il fait une vingtaine de degrés là. Nous il fait tout frais, on va dire. Nous il fait 20, 23, 24. C'est tout juste bien pour sortir en t-shirt de notre côté. C'est bien, non, même c'est très bien pour sortir en t-shirt. Vas-y, j'en trouve plus la page, je l'avais tout à l'heure, tiens. D'ailleurs, je me permets de... Je prends mon temps pour voir un peu ce qu'il me reste à faire. Je sais qu'il doit me rester, genre, grand max, un ou deux boss. Oh, on va déjà rentrer dans le truc, on verra après. Ah bah on verra ça à l'intérieur. Ah fuck. Ah. Rune du palais d'Oulm. Ouais, je vois des créatures que j'ai pas envie de voir. Hein. Ah, je vous jure qu'il y a des créatures et j'ai pas trop envie de les voir ou de les croiser encore plus. Hein. Attendez, c'est quoi ça? Hein? Non, non! Eh merde! Ah, c'est là que ça va faire chier. Bon, je pensais pas qu'on y aurait été si vite. Alors, je vous présente Marika, la femme qu'on vient... qui est crucifiée et morte. Aïe, ouh, ça fait mal. Pourquoi courage? C'est quoi ça? Ouais, c'est le boss final, je sais. On a brisé le cercle d'Elden. Par contre, si je crève, je vais aller mettre un short après. J'ai un peu chaud. C'est quoi ce bazar? On va combattre un cadavre là. On combat le cadavre de Marika? Fais chier. J'ai combien de points sur moi juste pour savoir à combien j'ai crevé là? Oh putain, cette musique, elle est épique! Je vais t'en faire baver, hein.
Radagon de Cercle d'Or. Putain! Putain! J'étais con! Ah fuck, ça on me l'avait dit. C'est bon, c'est mort. Fais chier! Je suis plus résistant que lui! Merde, fais chier ça. J'ai 200 000 de points de vie! Fais chier! J'ai 240 000! Non! C'était 3 niveaux! Est-ce qu'on peut avoir... Il y a de l'aide? Il y a personne qui veut jouer de l'aide dans ce mode... Ah si, il y a quelqu'un. J'ai oublié de mettre... Putain, j'ai pas regardé ce qui était fort contre lui et faible. Tiens, trouve... Godfrey, premier seigneur d'Elden, boss final. Oh putain de merde, on est en train d'en chier. Oh, il y a quelqu'un d'autre. On peut en avoir deux. Mite bien. Juré, je promets d'assister juste à temps d'avoir mes niveaux. En vrai, et on l'a bien entamé. Hein. Et vous pouvez pas dire autrement. On l'a bien. Le mec. Oh putain, damn bro. You play. Ok, let's go. Le mec, on l'a quand même bien foutu des dégâts. Hein. On a compris qui t'étais, mon coco. Moi, ah, je pense à moi. Fuck! Oh, fais chier. Oh, putain, merde. Chier.
Oh merde, ça, ça pue par contre. Je te promets, je vais te poucave. Parce que, welcome to Elden Ring. Regardez ma taille comparée à cette bête. Et regardez mon nombre de potions qui me reste aussi. Oh, ça va. Ah bah super. J'étais aveuglé par contre hein. C'est la fin, c'est le boss final. Ta mère! Ta mère! J'ai 24 000 d'XP! Ah, ta mère! Ta daronne! Je vais mettre un short, je reviens. C'est mon ami de sport pour faire ça. Bon, on y retourne. Ce qu'on fait, même technique depuis tout à l'heure. On invoque des alliés, c'est notre meilleure issue. On est nul, on le sait, mais on peut y arriver. Comme ça. Passe un coup, fais voir. Je vais regarder quelle page. On va faire un truc, on va trouver les faiblesses de cet enculé de ses morts, pardon, ouais. Là, on y va violent, hein. Là, on insulte les gens. Si, 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 y'a tout, j'ai vu tout à l'heure. On est là, on lui casse les genoux aujourd'hui. Je vous jure, hein, le jeu, il est terminé ce soir, quoi qu'il en coûte. Même si on doit aller jusqu'à minuit ce soir, c'est terminé. On termine du moins l'histoire principale. Après, je dis pas qu'on va pas continuer le jeu, mais on va terminer l'histoire principale. Il est où le. Les pages. Alors, guide. Alors. Capital des Capital descend 314.
Ah mais là, là on est parti, on va lui niquer sa race, hein. Je vous le dis, haut et fort. Il y a deux... en fait, c'est pas le jeu que je vais terminer, c'est mon XP que je vais récupérer. C'est différent. On n'a pas le même objectif, en fin de compte. Nous, le jeu, en fait, terminé, pas terminé, c'est the same. Mais quand il y a autant d'XP en jeu, faut qu'on récupère 300. 314. What? 313, 304. Ah, yes. Ok. On se fout un peu de ma gueule là. Ah, Radagon, la bête d'Eldon. Alors, les deux boss sont immunisés contre les dégâts et très. Contre les dégâts de saignement. Ah. Bon. Très résistant aux dégâts sacrés. Merde. Radagon est vulnérable aux autres altérations telles que l'empoisonnement et pourriture. Ok. Mais la bête d'Eldon est complètement invulnérable. Les armes contendantes sont les plus efficaces. Merde. Pour la configuration de corps à corps, tandis que les lanceurs de sorts devraient utiliser des techniques de feu et décider de Radagon sur Radagon si possible. Ainsi que tous les autres éléments sacrés sur la bête d'Eldon. Ok. Bon bah. Attendez, on va mettre le marque-page. On y va. On y va, on y retourne. What we take now? Il est immunisé contre les saignements, mais contre les poisons, il est pas super fort. On y va avec du poison. Les seuls fois à faire une pause, c'est pour aller rechercher des fleurs, pour recrafter des doigts, pour invoquer encore des alliés. C'est les seules fois où on va faire des pauses. Jurez. Là, il y en a 3. Il y en a 2. Ok. Allez, je prends tout le monde. Hein. Tout le monde peut faire partie de l'équipe. Hein. On y va en team. À 3, à 4, à 5 s'il faut. Mais on y va en équipe. On va être 50 à lui niquer sa race. Regardez, on l'invoque aussi. On l'invoque aussi. Impossible d'invoquer d'allié. Ah, merde. Ah frérot, là, bienvenue à Courneuve. Hein. C'est un 1v1-19. Oh fuck. Oh, I have nobody. Eh, j'ai trop d'XP en jeu pour aller tout seul. Je sais pas, jusqu'à 2, je pense. Oh, mais en fin de compte, si je crève, je peux revenir. Ah non, merde! Ah mince! Oh, j'ai fait le con. Oh, c'est pas grave. Il y a 214 000 d'XP. On y va en solo? Ah mais attendez, faut que j'aille de l'autre côté, faut que j'aille faire le... On va y aller en solo, hein, c'est possible. Never. Non, après, en vrai, non, après on reprend God of War ici. On reprend God, ce qui est très très important, je crois, à mes yeux. Non, souffrir une fois, c'est bien. Souffrir toute sa vie. Ah, et mon ref, hein, si je peux éviter ce moment-là. Oh, toi, tu me sembles être fort. Toi, j'aime bien ton armure. Toi, je t'aime bien. Impossible d'invoquer l'allié. Après, on finit d'abord d'autres jeux. Attendez, j'ai pas une branche? Oh, dites-moi que j'en ai encore une. Oh, damn, bro. Thorfinn. Oh, très belle référence. Allez. Oh.
Oh, on a le mec fort. On a le mec qui nous semble fort, plutôt. C'est différent. On en a deux. On en a deux. On y va. On va lui péter sa gueule aujourd'hui. Hey. On y va, let's go. On va casser des bouches, là. The life of... Non mais... On y va. On y retourne. On est là. On est présent. Prends le focus. Prends le focus. Ta mère. Mais je suis trop bon. Ah pas mon, pas mon allié par contre. J'ai plus de vie. Non. J'ai pas de build. On y va, full force nous. Fais... Oh putain merde. Oh. Ouf. Non, non. Fais chier. Non, non. Je vais pas mourir pour mes alliés. Merde. 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 Ah fuck, 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 fuck. Non. 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 On était con. Ah désolé, hein, ça va être que des cris. Bienvenue à toi, Quario, si je prononce bien. Installe-toi, profite de l'instant, sache que ce soir, on y va, on le tue, on le termine, ce jeu. On est là pour l'exterminer. On n'y arrive pas du tout. je joue plutôt force, on va dire. Après, j'ai une épée seigneuriale avec des trucs dessus. Et après, je sais pas comment... Hey, moi, j'y vais, je suis là. C'est tout. C'est tout, mon ref. Attaque chargée, je suis nul avec l'attaque chargée. Par contre, peut-être équilibre, ça peut être bien. Écoute, il n'y a jamais assez de vie. C'est pas grave, c'est pas grave, s'il y a pas... C'est pas grave du tout. On y va, on y retourne, on trouve des copains. Vous connaissez la musique? Avec tous mes copains. Ah putain. Ah non mais les pseudos comme ça c'est incroyable, attendez. Que fait cet homme? Qu'est-ce qu'il a comme arme dans la main? Il a une dague. Oh, il a la dague de... Il a la dague des voleurs là. La dague... Vous voyez quoi, ce que je veux dire? Oh, un autre allié. Est-ce que t'es sur la PlayStation ou sur console? Pitié. Vas-y mon ref, pas de problème, on y va. Allumez tout mes copains. Yes, yes.
Ah, il y a Phoenix dedans. Bah Charlotte alors, tu joues Elden Ring et tu me fais la coup de main. Aïe aïe aïe. Charlotte, elle vient nous aider aussi. On y va. On s'en fout. On a déjà perdu 240 000 d'XP, je rappelle aujourd'hui. On est plus à ça près. Non, non. Fuck, c'est encore pour ma gueule ce truc. Aïe, mais faites-le des dégâts. Aïe. Bon, il a le dot. Ow ! Non, c'est pour ma gueule de nouveau ça. Oh. Première étape faite. Elle est où mon XP? Elle est perdue depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Première étape faite. Oh seigneur, et là on transpire. On s'en fout. T'as daronne toi. Fuck. Comment je fais pour esquiver toute cette merde ? Comment il fait ça ? Non ! Oh putain, là on va devoir y aller de l'avant. Fait chier. Bah, le mec il connaît le jeu. Elle est où? Eh vraiment, là c'est plus du jeu, c'est juste courir qu'on fait. Mon ref, faut arrêter. Je sais pas comment je l'esquive. Non, c'est moi la faiblesse. Faut que je cours. C'est lui l'homme.
Vas-y, tu peux le faire. Oh, le backseat de fou que j'ai, hein. Fuck. Ça, ça pue. Merde. Ce mec est fort. Ce mec, t'es... J'ai l'impression d'avoir zéro dégâts contre lui. Qu'est-ce qui est fort contre cette bestiole? Ah, les contendants, d'accord. On y va. On se réinstalle, on change d'équipement, on y va. On n'a pas peur. Le jeu est terminé ce soir. On y va, dégâts bruts. J'espère que ça vous dérange pas trop l'écrit, hein, parce que... Là, c'est vraiment, on y va avec le cœur, en fait. Là, c'est le cœur qui parle. Ah, j'ai rien, c'est vraiment le... Là, on y va, là, on y est au cœur. Là, c'est... Y'a rien d'autre que du... C'est du mental, là. C'est du mental. On est là. On est présent. Ok, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Oh, par contre, la pâte de poulet à manger. Elle peut être pas mal. Allez, on en a deux. Inch'Allah, on verra ce qui se passe. Nice, on en a un au moins. On va pouvoir... Oh, il a une pioche. Ah, c'est toi. Il y a encore le même que tout à l'heure. Hey, listen. Bienvenue dans Zelda. En fin de compte... On y va. Dorme là. Fuck, vite, deux potions. Oui. Première étape de fait. Personne n'a perdu trop de vie. On est avec des gars puissants. On va y aller.
Est-ce que vous êtes prêts? 60 heures de stream, messieurs, dames. On arrive à la fin. Vas-y, viens prendre ta peinée, toi, maintenant. J'ai pas de dégâts. Proche, ok. Oh putain. Ah vas-y soldat. J'ai plus d'endurance. Fais chier. C'est pour la gueule de qui? Sors de là. Oh il est bon, il est très bon. Oh putain. Putain de merde. C'est pas encore fini! Shit! Oh. Ok, on y va! Ramène-toi! C'est pas moi ton fléau! Yeah! C'est fini! Ouais! On l'a vaincu! Yeah! Yes! Ouais!
The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Oh oh, fuck. I see. Ah, écoutez, je suis un Elden, mais je me fais toujours autant bully par mes vendeurs. Est-ce que je peux aller sur mon trône? Est-ce que je peux aller m'asseoir sur mon fucking trône? Ah merde, y'a pas de trône. Ah. Non, plus haut, y'a plus rien. Ah, y'a quoi là derrière après? Ah, c'est pas grave. On la prendra sur le. Pas sur le net, mais on reprendra la rediff. Bon, du coup, j'espère que vous êtes quand même heureux qu'on ait terminé le jeu. Alors, il nous reste encore des petits trucs à faire sur le jeu, je sais. On peut aller battre, on peut s'amuser à aller battre Malenia. Lana a tout fait, je pense. On peut allumer, on peut ça. Disons, on a terminé l'histoire principale ce soir. Hein. On n'a pas terminé le jeu. Bah alors, on peut aller battre Malenia, on va dire, pour terminer le jeu, on va dire, en tant que puriste du jeu, on peut aller terminer Malenia. Sinon, pour le jeu, c'est God of War. Ah, je vous jure, j'ai donné des poumons là. Ah, j'ai tellement mal aux poumons. Malina, ouais, Malenia. Yo.
Bah maintenant, écoutez, la seule partie qu'on n'est pas encore réellement faite, c'est cette partie-là. On a un château à aller faire, on a pas mal de petits trucs à aller chercher à droite à gauche. Du coup, bah, je pense que c'est reparti pour encore de l'aventure. En tout cas, j'espère. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis super content. Sachez-le, je suis mais ultra heureux. C'est incroyable comment ça fait du bien de terminer. En fait, là, je joue ce soir en mode détente. Là, je suis vraiment plus en mode détente. Tout va bien. Le jeu est terminé, c'est sécure, etc. Je suis ultra heureux. Je suis serein, je suis... Oh putain. Et je vous jure, 60 heures de jeu. On va toujours se faire bully par des mobs, mais bon. Général, c'est-à-dire. Le général. Ah, le général, le boss, le général, je sais plus trop quoi son prénom là. Ah, oh, moi je le trouvais pas si dur vu que t'as des familles, vu que t'as des gars avec toi. Et même le boss de fin était moins terrifiant. Ah mais t'avais plein de monde, tu pouvais invoquer plein de monde pour t'aider, pour te filer un coup de main. Fuck off. Vas-y, ramène-toi. Eh merde! Ah, c'est moche ça. Non, 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 mais en fait, t'as des alliés, tu peux invoquer. En fait, quelquefois, le jeu te permet d'avoir des alliés. Des alliés. Et tu peux en invoquer en fait. Genre, c'est des PNJ. Tu peux avoir des PNJ en alliés et c'est plutôt fort. Ouais, je te conseille vraiment d'essayer de les invoquer si tu galères. Bah après, si tu l'as vaincu, c'est trop tard maintenant.
Mais tu peux les invoquer si tu le souhaites. Bah tu pouvais. En fait c'était un mec avec tête de loup, etc. Attendez, on voit parfaitement de quoi je parle. Même un pot, etc. que tu pouvais invoquer. C'est plutôt fort en vrai. Ouais. Y'a pas un point de sauve là? Par ici? Y avoir un bon point de sauve. Oh. Oh fuck off. Ah you. Ah c'est des petits trucs comme ça. Ok. Vous me permettez, hein, j'esquive vraiment tout parce que j'ai pas envie de perdre du temps sur ça. Ah bah là-bas j'en vois un, tiens. Eh hey, merde, j'ai plus de batterie. Fuck. J'ai plus de batterie du tout. Regardez. Merde. C'est ça. Eh bon. Ah, du coup j'ai changé de manette. Bon, on va aller chercher, on va aller se charger du piaf après. D'abord, on va aller chercher le point de spawn qui est là-bas. Ça va être beaucoup mieux pour nous. Ok, merde. On n'est pas dans le beau drap. Ok. Pour le mec qui a la cloche là, on règle ton compte après. En priorité, il y a un piaf qui me fait chier. Lui il va aller se prendre une rousse d'abord. Quoi qu'il en coûte. Oh, par contre, attendez, c'est ça l'idée. Regardez-moi ces dégâts d'un coup. Ah, par contre, les dégâts que je vais. Oh, oh, dang, bro! Merci, merci, jeune Padawan.
Oh, les dégâts sacrés par contre que ça lui fout. Poser de lui-même. Hello. Always the same thing. Not bad, not bad, hein. Allez, on va se régénérer un peu et après on va aller s'attaquer à autre chose. C'est temps pour nous d'aller faire souffrir les quelques petites bêtes qui y a à l'intérieur. Oh non, toi je t'aime pas. Bien vulnérable. On a retenu. On change. Ah. D'accord. Eh merde, j'en doutais. Ah oui merde, j'ai de l'XP en fait. J'avais totalement oublié que j'avais de l'XP. On va... Oh non... Bon, on y va sans crever. Allez, à plus, ouais. Bon, on y va sans crever, ok. Ah non, mais moi j'ai pas dit que je terminais le live, hein. Vous écoutez pas, hein. Eh merde! Mais putain, je suis mort, j'ai dit que je pouvais pas que je crève! C'est quoi ce piaf de malheur? Ah, ma parole!
Ah non, on a tué les chiens, c'est bon, ils sont plus là. Ah oh, cool ça. Il est où le piaf? Ah il est là. Là, c'est. Les chiens. Voilà. C'est déjà mieux, non? Il y a un tableau. Oh. Oh. Ah, faut me le dire, en fait, si je parle trop fort. Hein. Si ça sature de trop pour vous. Si c'est pas bon pour vous, vous le dites. Je me calme, on arrête le live. Hein. Oh merde, ça va faire chier par contre. Non! Mais j'étais bloqué dans un coin! C'est pas legit ça! On est d'accord que c'est pas normal d'être bloqué comme ça. Chier, il y a 100 000 d'XP en jeu là. Il y a un bon niveau. Oh, il va y avoir de nouveau le piaf. Ah, fait chier. On va repasser par le piaf. Pas chier. Grosso modo, c'est ça qu'on est en train de faire là. On a... Quand il y a de l'XP à récupérer, bizarrement, c'est plus du tout la même chose. Hein. Voilà. 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 Eh. Au bout d'un moment, faut me respecter. Hein. Ok, là, on va monter le niveau. Ok, l'objectif c'est 55 de force et tout ce qu'il y a au-dessus, ça sera du bonus, etc. Ok.
Oh. What? Ah! Oh putain, nique sa mère! Mais non, mais putain, mais focus de merde! Ça sera mieux ici. Fais chier! Ah mais ça fait peur cette merde! Je m'y attendais vraiment pas! Oh waouh! Quoi cette nouvelle arme tiens qu'on a reçue? Oh oh! Je regarde un peu les armes qu'il y a. Là. En fait, c'est lui qui appelle les gardes. Ah! Ok. C'est lui qui appelle les gardes et du coup, c'est pour ça que c'est chiant. Ah, c'est pas des petits soldats qui m'envoient en plus, cet enfoiré.
Putain, c'est quoi ça? TG, tu l'as easy. TG, t'es sûr? Ah merci, je crois que tu es en mode bon, frérot, ferme-la quoi, t'es. D'accord. T'inquiète pas. Ok, bah cool, le château est fait. Ah si, je sais qu'il me reste à battre aussi. Putain, il m'en reste deux encore, pardon. Faut que j'arrête avec les insultes. Après. Deux aussi à vaincre. Je regarde un peu ce qu'il me reste à vaincre pour pouvoir faire un... Oh, pour avoir fait un tour complet un peu du truc. On va dire... Le géant de feu est déjà fait. Le géant de feu, tu le fais obligatoirement. Tu le fais obligatoirement parce qu'il te permet d'accéder à la suite du jeu. Encore un niveau comme ça et on sera bon en niveau force. Hein. Ah, je sais pas. Bah, du coup, je t'ai spoil. Merde, désolé. Ah, je sais pas si tu voulais pas te faire spoil. Te rater. Allez, et un de fait. Encore des boss de fées.
Okay, bro. Le mec a essayé d'en caser une tout le long, il a jamais réussi. En tout cas, vous avez pas idée de comment là je suis, mais dans un état de bonheur. Pas sans fin, mais je suis ultra content de voir enfin la fin de ce jeu. Qui nous aura pris quand même pas mal de temps. Et en même temps, il y a une certaine un peu, pas de tristesse, mais... Il y a un certain petit feeling là, vous savez. Un peu ce feeling de... Bah, c'est terminé quoi, c'est... On a terminé une étape du stream parce que... En vrai, notre arc Elden Ring aura duré un sacré paquet de temps. Et du coup, je suis content d'une part de l'avoir terminé et en même temps un peu... Pas triste, mais ouais, un sentiment qu'on aurait peut-être pu faire plus. Mais je suis content, ça. En vrai, ça a été une expérience de fou furieux. Hein. Elden Ring, en termes de jeu, c'est un truc de détraqué mental. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait. Ouais, bah tu vois, d'une part, je suis fier de l'avoir terminé. Et un peu, d'une autre part, un peu triste aussi de le terminer, tu vois. Parce que ouais, le jeu nous aura quand même dépensé quasiment 60 heures de bons streams. Qui sont quasiment... Alors demain du coup je mettrai la suite et fin de tout Elden Ring en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc avec un épisode par semaine techniquement on devrait arriver très très loin. Mais ouais. Une grotte volcanique, ah si. On devrait arriver très très loin. Tour. Bah maintenant j'avoue on fait de la découverte, on va aller tuer les quelques derniers boss qui nous restent, on va tuer ce qui reste quoi. Celui-là. C'est ici qu'il est le boss? Non. Et merde. Ah oh, fuck. Et je sais pas, j'hésite encore à aller jusqu'à Malenia, j'avoue que... j'hésite pour l'instant encore, on verra un peu. J'avoue que je voudrais voir un peu d'autres choses sans doute en stream. Ah ici il est là. C'est mal lui. De quoi tu as fait le jeu? Attends.
Termine le boss après. Fuck. Oh merde. Alors on parle de quel jeu là, tu fais le jeu ou pas, un ou deux? De quel jeu on parle? On parle de God of War, je fais God of War Ragnarok sur PS5 seulement. Les autres je n'ai jamais fait à proprement parler. Faut que je change des dégâts sacrés quoi. Elle donne, je sais pas, en fait j'ai envie de recommencer un peu le jeu pour moi solo, tu sais, un peu. En mode vraiment friendly, etc. J'y vais, je recommence. Tac. La partie du volcan est essentielle. Bah non, en fait tu peux la skipper si tu veux. En vrai t'as pas d'ordre pour faire les boss hein, sur Elden, je vais te dire. J'ai laissé mon pote gérer. T'as pas forcément d'ordre dans lequel tu peux faire les boss. Par contre, il y en a certains, ils sont un peu plus charismatiques pour l'histoire, tu vois. Il y en a certains, si tu veux les faire pour juste en mode l'histoire, etc. D'accord. Ah mais seigneur, mais laisse-nous tuer mon ref. Fuck. Yes! C'est bon. Ah oui, moi si tu veux que... Moi je l'ai fait à partir du volcan. C'est juste que là je reviens un peu en arrière pour faire les boss que j'ai plus ou moins pas fait. En fait là actuellement je fais que ça. Je vais revenir un peu en arrière. Tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je dois un peu refaire. Du style, bah, les boss par exemple qui sont ici, hein, concrètement. C'est tout cela que je suis en train de revoir. Du coup non, j'ai déjà fait à peu près toutes les zones du jeu, sans te mentir, donc là c'est plus de la phase de
On répare un peu les pots cassés. On récupère un peu ce qu'il y a à récupérer à droite à gauche encore. Les boss sont terminés, etc. Sinon, ouais, là, je l'avais fait déjà, mais je voudrais y retourner. J'ai envie de voir un peu les dialogues que je peux avoir avec certains personnages aussi. Et après, j'en ai encore des gros à battre. Rien n'est joué. Ah, bingo. Du coup, j'ai envie d'aller voir là-bas s'ils ont pas du stuff à me donner. Ah, je peux prendre des compétences. Actuellement, apprendre toutes les compétences du jeu m'intéresse pas plus que ça dans une mesure. Moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, ce serait de les voir à peu près tous les boss. Et en vrai, commencer à améliorer certaines autres armes. Pour avoir d'autres armes encore. Du coup, là, faut pas y aller. Le château qu'on n'a pas fait, c'est celui-ci, mais je sais pas comment y aller. On va aller voir la vieille galerie d'Altus, tiens. Le truc le plus proche. Voilà. Ah bah tu vois, tout ici on l'a jamais fait, tu vois. Ok. Ah, je pense savoir ce qui s'y cache comme boss. Ok. C'est glauque ici. Ça, c'est une belle arène à boss par contre. What, c'est quoi toi? C'est quoi? Moi la paix mon ref. Je demande pas autant d'affection hein. Pas autant d'affection sur le truc.
Voilà. C'est bon, lui c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on trouve par ici? À part un peu de rien. En vrai, tu vois, on pourrait s'amuser sur le jeu à se dire on monte le niveau 700 et des brouettes. En vrai, ça serait drôle, hein, mais en stream, ça va être long au bout d'un moment pour vous. Parce que ça voudrait dire qu'on serait obligé de recommencer plusieurs fois le jeu. Donc je comprendrais qu'au bout d'un moment, ça soit lassant pour les viewers. Mais après tu vois il y a le faire. En fait tu vois c'est aimer, mais faut savoir doser aussi le truc, tu vois. Faut savoir aussi se dire à un moment ouais, on a fait le tour du jeu et on... Va falloir ça à un moment se dire non, là, pour l'instant j'arrête pas, on a dit qu'on faisait un stream Elden Ring, on va continuer à faire un stream Elden Ring jusqu'à temps qu'on termine. On terminera à une heure classique, du coup tu comprendras. Qu'est-ce que tu me voulais toi? Maintenant on va dire que tous les mobs se font plus ou moins bouffer quoi. Salut toi. Voilà. Ça prendra, tiens. Du coup voilà, maintenant on va continuer le jeu. Alors j'hésite à aller jusqu'à Malenia. Je sais pas ce que t'en penses toi Taneo. On va aller battre le boss super dur là. Bah en vrai ça va être toujours des séries d'obstacles etc derrière, c'est à dire qu'on est reparti pour au moins encore une bonne grosse dizaine d'heures. Fuck. Ah, salut toi. Ok, good. Bah en vrai après tu vois en vrai comme je disais tout à l'heure avant que tu reviennes, je pense que le jeu je vais le continuer encore en solo derrière refaire une partie après refaire une partie avec le même personnage et le même pas le même background, mais le... avec les mêmes points, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on recommence... La map repart à zéro, mais toi, t'as toujours ton personnage avec tes niveaux, etc. Du coup, moi,
je pourrais trouver ça drôle à faire. Moi, je trouverais ça drôle à faire. C'est quoi ça? Ah, c'est toi! Moi, je trouverais ça drôle. Donc voilà, je pense que je me le ferais. Bon, pire si on fait pas Malenia, après on verra. Hein, mais y a pas de drame national, on va dire. Là, on a fini l'histoire principale. Moi, je considère un peu que tout le reste, c'est un peu du bonus, quoi. Par contre, on fera pas un Dark Souls quoi, hein. Vous attendez pas à ça ma part. Non, au bout d'un moment c'était cool, mais... Dark Souls, je sais pas, il me tente beaucoup moins lui. Au bout d'un moment, faut savoir où est sa limite aussi. Ah, il y a une échelle là. Donc ouais. On va se faire des jeux, vous inquiétez pas, mais on va pas repartir pour un jeu aussi gros. Ouais, faut doser quoi, un bout d'un moment, ouais. Ça, t'as tout compris. Faut savoir doser, faut savoir se dire, ouais, bon, on a peut-être déjà été super bien et super loin dans le jeu. Ou bien dans l'aventure From Software, hein. Par contre, à ce pareil, il y a un DLC qui sera en préparation pour Elden Ring. Bah, en vrai, vous voyez, s'il y a un DLC qui sort, avec de nouveaux champions, avec de nouveaux boss, etc. Bien sûr qu'on retourne dessus. Pour aller tuer les nouveaux mobs. Hein. Bien sûr qu'on retournera dessus et bien sûr qu'on se tapera les boss, etc. Bah, classique quoi, vous connaissez la chanson au bout d'un moment. Oh merde. Oh, il y a du monde. Eh merde, ce qu'il fallait pas faire. Il fallait pas faire. Ta ta la la la. Hop là. Non, en tout cas, vous avez... En vrai, là, vous voyez, en fait, j'ai envie d'encore monter mon perso pour qu'il soit aussi un peu, vous voyez, un peu multitâche après que je puisse le jouer en mode mage, etc. Ça m'intéresse de fou de faire ça. Après, ça demanderait trop de recommencer le jeu. Voilà. Ouais, non, c'est bon. On en a fait une bonne partie hein, quand même. Je pense qu'on en a fait un peu plus. Je pense qu'on en a fait les moitiés, voire une trentaine quasiment. Je sais pas s'il y a une stat ou un endroit où on peut voir. Oh, hello you. Hop là, coucou toi.
Tac. Je joue sur PlayStation là. On joue sur PlayStation, la PlayStation 5. Ah mais t'étais pas là au fait Wax quand j'ai raconté l'anecdote de la PlayStation 5. Est-ce que t'étais là quand j'ai raconté l'anecdote? Nous, toi tu as entendu l'anecdote de la PlayStation 5. Casse-toi, toi! Que j'ai commandé un clavier, mais en fin de compte, j'ai reçu une PlayStation 5. Une PS5. J'ai raconté ça, je crois, à toi. Ah ouais, bah non, j'ai raconté. Alors, du coup, elle est plus là, je peux plus vous la. Je peux plus vous la show. Mais en fait, grosso modo, faut savoir que Lana et moi, on fait beaucoup de télétravail. On en fait beaucoup parce que notre métier est sujet au télétravail, donc voilà. Et du coup, pour être bien installé, j'ai un clavier sans fil, moi. Et Lana voulait la même chose, du coup, comprenez que jusque-là, normal, j'en achète un aussi à Lana. Et en fait, on aime assez bien le truc de l'occasion, nous, de notre côté, sur Amazon. Du coup, j'en commande un. Sauf que je le fais livrer à mon point relais habituel, etc. Classique. Sauf que Lana va chercher le colis. Et ce n'est pas un clavier souris sans fil, Logitech, etc. qu'on reçoit. C'est une PS5. Alors du coup, grosso modo, j'ai acheté une PS5 à 30 balles. Voilà. Eh, coucou le chien. Voilà, c'est ça l'anecdote. C'est fou furieux. Hein. Et du coup, ouais, j'ai une deuxième PS5. Alors du coup, vu que je suis... Vu que je suis un grand frère sympa... Bah, j'ai décidé de la donner à mon petit frère. Et... Oh, hello. Du coup, mon petit frère a eu sa PS5. Ah, coucou toi. Alors, on se rappelle, hein, lui, c'était un boss à la base. Hein. Voilà, c'était l'anecdote de PS5. Elle est pas là. Alors du coup, j'ai dit à mon petit frère, bon, attends un peu quand même de voir si Amazon va pas faire la réclamation. Mais ils l'ont toujours pas faite, je crois. Et je vais lui dire, vas-y, go frérot, tu peux la jouer là. Alors le seul souci, c'est que c'était une PS5 digitale. Et non pas une PS5 comme moi j'ai avec des disques, etc. C'est peut-être le seul bémol qu'il y a. Mais à ce prix-là... Pour 30 balles, on se tait et on prend.
Juste toi. Ah putain, fais chier. T'as un maudit clébard, toujours le problème dans Elden Ring. Ah vas-y, viens là toi. Oui, on va s'en contenter. Pour 30 dollars, pour 30 euros, j'avoue que en fin de compte, c'est pas si grave si elle est en mode. Si elle est comme ça, tu vois. Pour 30 balles, je pense que. Un demi-million de personnes auraient voulu l'avoir, cette PlayStation. Du coup, c'était l'anecdote de la PS5 à 30 euros. J'espère que ça vous aura plu. Oh. Ok. Oh, c'est elle, Malenia. C'est elle, Malenia. C'est elle, elle, elle. Merde. C'est elle, celle qu'on se dit qu'on va se la faire ou pas. Je sais pas. Oh, je sais pas, pour se donner bonne conscience, peut-être. Pas mauvais hein, quand même. Hein. Bah en fait je pense qu'ils donnent surtout du stuff intéressant, bah pour moi qui n'est plus forcément intéressant j'ai envie de dire. Parce que personnellement je trouve que mon stuff est très bien comme il est actuellement. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins. On peut toujours avoir plus certes mais bon. Eh. Ah fuck, raté. Ah. Voilà, arrête de faire la malinoche. Ok.
pas. On a commencé le stream à quelle heure? Ah bah ça va faire 3 heures. Bah ici on est déjà venu. Du coup on a tout fait ici ou pas? Pose la question. 18h05. Oh ça va, du coup on a fait un très très bon stream ça. En vrai ça a été En vrai c'est l'apothéose de tout ce qu'on a fait sur Elden jusqu'à présent hein, tout ça. Oui, we can be proud of the... Tout le monde peut être fier de soi hein. Ah ok. Ah écoutez, je pense que j'ai terminé le château. Du coup on a fait ça, ça, je pense qu'ici il reste encore une zone à voir. Attendez, je vais mettre là pour voir un peu ce qu'il reste à faire pour le prochain stream. Ça dépend de comment on va... N'hésitez pas à rejoindre... Au fait, Z-Wax, n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux voir un peu. Bien joué Taneo. On fera peut-être le sondage pour savoir ce qu'il en est. De ce qu'on fait pour la suite de Elden Ring. Du coup, non, il n'y a rien du tout. Alors, ça dit, attendez. Ah, si! Attendez, si, il y a bien un truc en fait. Hein. Par où est-ce que. Attendez, on va aller voir ça. Et là, il me dit qu'il y a une route. Over zone. Je vais voir là-bas. Ah, ça n'a pas été corrigé. Ah, chef. Le chef est là. Oh, nous on veut encore de la castagne hein. On veut encore de la castagne nous. Ah merde, c'est les géants là. Tac. On va essayer de trouver le moyen de passage. Je pense qu'on peut se le trouver. Si on trouve pas, on regardera un peu plus tard et j'irai voir sur le net comment on peut trouver ce passage.
Attendez, ça doit pas être sorcier en fait. Bah écoutez, je pense qu'on va regarder ça. Je pense que je vais regarder ça en... pas en solo, mais en... sur le net, savoir comment est-ce qu'on peut accéder à... la seconde zone. Parce que là, j'avoue, je sèche totalement. Bon, n'importe comment, on est loin de... Bon, je sais pas encore ce qu'on fera, si on fait un autre jeu d'ici là ou quoi. Ou si je vais continuer un peu en solo, je sais pas. En vrai, je me tâte un peu, ça sera un peu à mon bon vouloir, je pense. Et du coup, voilà, sachez que sans doute, ça va être très forte chance que la semaine prochaine, ça soit du... ça soit du God of War. Au plus grand plaisir de certains. Donc beaucoup plus nerveux, beaucoup plus... Non, pas. Peut-être plus simple, pour le coup. On verra. Ah putain, parle pas de choses qui fâchent. Ok, bon allez, je vous laisse. Passez une excellente soirée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup pour le prochain live, donc ça sera demain. On se retrouvera demain pour le live sur Minecraft. Non, pas demain soir, demain après-midi. On fait ça demain après-midi parce que demain soir, il y a les feux d'artifice, etc. Zamor, ça fait Zemmour, pardon. Voilà. Du coup, j'ai envie d'aller profiter des feux d'artifice demain soir. Du coup, demain vers... je sais pas, vers peut-être... Voilà, rattrapage. Du coup, demain, sans doute vers 15h, on se prend droit à peut-être un petit 3h de stream comme ça, histoire de le faire aussi et de passer un petit moment sur MC pour commencer à avancer sur les trucs qu'on doit faire, quoi. Donc voilà. Attendez, maintenant faut que je quitte cet endroit. Besoin de rien pour l'instant. J'ai envoyé demain matin, je vais taffer un peu sur le schématique. Je te l'enverrai pour que tu puisses voir à peu près ce qui va être fait. Peut-être farm de la endstone. Un bon DC sera utile, je pense. Voilà. Bref, on se retrouvera demain pour le prochain live. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était la Grande Loutre. Et ciao ciao tout le monde. Merci beaucoup et à plus. Attendez, je regarde si c'est durant le stream. Non, il n'y a personne. A plus.